Le soir tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes. 19h-21h sur TSO Radio. Bienvenue, vous êtes sur TSO Radio pour la dernière partie de l'émission consacrée à la pétanque guisarde avec Laurent, son président. Est-ce que tu avais des questions encore, Seb? Ou j'enchaîne? Il a peur d'enchaîner, l'enfoiré. Ouais, tu peux enchaîner. Alors, l'association, déjà, est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'elle a un site internet, une page Facebook ou quelque chose? On peut la trouver où? La pétanque guisarde. Ou sur Facebook? Oui, c'est ça. Alors, je vais regarder ça tout de suite. On va aller voir. Est-ce qu'il y a peut-être un numéro de téléphone si on souhaite intégrer le club ou à donner ou... Non, il n'y a pas de numéro. Enfin, moi, j'en ai pas mis. On nous contacte directement. Le local, c'est toujours le même. Stade Raymond Lemoine. Il y a une permanence, mais il n'y a pas toujours quelqu'un, je pense. Non, pas tout le temps. Donc, du coup. Est-ce que peut-être il y a une adresse mail ou. Même adresse pas. Mail au niveau de la pétanque, non. C'est juste le site. En fait, si tu veux, moi, je l'ai créé. Et comme ça, moi, ça permettait aux gens d'avoir un visu dessus. Et toute information qui concerne le club ou si on a des compétitions que nous, on organise, au moins, c'est mis sur le site. D'accord. Donc là, je suis sur la page donc La Pétanque Guisarde que vous pouvez retrouver sur Facebook. Il y a un petit peu moins de 200 personnes qui suivent. N'hésitez pas du coup à aimer la page. Et effectivement, il n'y a pas d'adresse mail. Mais bon, j'imagine qu'on peut te contacter, enfin vous contacter directement via la page. Voilà, c'est ça. Il y a ce qu'il faut pour vous contacter. Pas de site internet, juste un Facebook. Ouais, voilà. En fait, si tu veux, moi j'ai amené ça parce que. Ben, c'est moderne, c'est. Ah oui, c'est ce qu'on fait, ouais. Dans tous les clubs, une bonne partie des clubs maintenant, c'est ce qu'ils ont. Et au moins, ça permettait aux gens, s'ils n'avaient pas comment mes coordonnées, qu'ils allaient directement sur la page. Les deux. Donc, surtout déjà pour les gens de mon club qui sont licenciés, ils sont informés. Et puis quand on met des concours qui vont avoir lieu, au moins les gens de l'extérieur, ils le voient aussi. Mais par rapport au concours, est-ce que vous allez faire le concours du 14 de juillet ou pas? Oui, il a lieu. Et là, plus précisément. Cette année, donc la Saint-Médard n'existe plus. Il y a deux ans en arrière, il y avait des gens qui nous avaient demandé si nous on maintenait toujours le concours de pétanque. Donc l'année dernière, malheureusement, il n'a pas eu lieu. Là, cette année, on le fait. Et la Saint-Médard, de mémoire, c'est le 8 juin. Donc on devait le faire le 10 juin. Mais nous, par rapport à nos championnats, tout a été décalé au niveau des dates. Donc du coup, samedi 5 juin, on organise le concours de la Saint-Médard. D'accord. Donc voilà. Donc ce week-end alors, c'est ça ? Week-end prochain. Donc on est pas... Là, nous sommes le. On est le 2 juin, ça, donc voilà. Ça sera ce week-end, d'accord. Donc, voilà. Bien. C'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Et ça, à partir de quelle heure les inscriptions puis le... Début des jeux, 13h30. Début des inscriptions, 13h30. Début des jeux, 14h15, 14h20. D'accord. Et c'est combien l'inscription? 10€ la doublette. D'accord. Et donc, c'est espace direct. Ça se passe directement au stade Raymond Lemoine. Raymond Lemoine. Voilà. C'est ça. Oh les pauvres. La doublette. Et donc on rappelle que si les gens sont intéressés pour adhérer à l'association, ça coûte 35€ la licence. 36€ la licence. Ah, 36€, pardon. Baisse pas les prix comme ça. 36€ la licence. Pour un an? Question pour un an. Oui, c'est pour un an la licence. Oui. Non, pour 6 mois. t'as des demi-baguettes, tu peux avoir des demi-saisons. Hein. Oh là là. Et donc on peut se renseigner sur la page Facebook la pétanque guisarde. Ouais, voilà. Et puis après, les gens qui me connaissent, ils ont mon coordonnées, donc ou sur mon comment, sur ma messagerie aussi, sur le messenger, ils peuvent me contacter directement. Donc ouais. Laurent Denimal, si vous voulez contacter contacter directement le président, vous pouvez le contacter. Je sais pas si tu veux donner ton numéro ou pas. Il y en a qui le donnent, il y en a qui le donnent pas. T'es pas obligé. Personnel. Ouais, c'est personnel. Après c'est. Ceux qui me connaissent, s'ils me le demandent, ils le prennent. Ouais, il y a Messenger, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut maintenant. Pour contacter. Voilà. Donc, ce week-end, on l'a dit, il y a. Concours de pétanque. Un concours de pétanque, donc il faut être présent. C'est 10€ la doublette. Ouais. Les inscriptions, c'est à 13h30 au stade Raymond Lemoine. C'est ça. C'est ça, Raymond Lemoine. C'est aussi qui à côté du tennis. Et c'est question ça. Très importante, est-ce qu'il y a une buvette? Oui. Parce qu'à la pétanque, quand même, s'il n'y a pas la buvette. Bon, bah, au foot, au basket, il faut une buvette partout. Donc, on sera présent. Et ce concours-là, il se fait en 4 parties. 4 parties. Donc, voilà. 4 buvettes. C'est à chaque fois que tu peux. Je rappelle qu'on parle d'un concours de pétanque et pas d'un gangbang, messieurs, dames. Est-ce que l'émission, ça s'est bien passé? Impeccable. T'as pas trop vite. Oh non, du tout. On est.
On a été des vilains enfants, je trouve. Hein, parce qu'à chaque fois qu'on parlait de je m'attendais à pire, mais non, ça va. Bah non, mais ouais, c'est vrai que. En tout cas, merci d'avoir participé au jeu tout à l'heure, parce que c'est un jeu, je suis franchement. Ni queue ni tête. Bah, c'est ça. Mais il a des boules. Il a ni queue ni tête, mais il a des boules. Eh ouais, mon grand. Des billes. Est-ce que tu vois quelque chose. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais dire particulièrement à ceux qui nous écoutent et qui vont nous regarder, parce qu'ils vont nous regarder, parfois plus qu'ils vont nous écouter. Bah, ceux qui aiment la pétanque, s'ils veulent prendre une licence pour pratiquer, pour découvrir, qu'ils viennent se licencier à notre club. Ouais. Donc il y a des comment il y a des gens qui sont de passage, quand on est au courant, ben on fait une permanence. Ouais, au niveau du local, ouais. Voilà, c'est ça. À savoir que le mardi, le vendredi, il y a nos anciens qui sont présents. S'il fait beau, ben ils font des entraînements de pétanque. S'il fait moins beau, ils sont au niveau du tarot. On les autorise à faire à jouer aux cartes. D'accord, dans le local. Dans le local. Ouais. Et comment le mardi, le vendredi. Ça permet quand même qu'ils puissent se retrouver, un peu de vie sociale aussi. Voilà. Ok, ça marche. Mon petit Seb, quelque chose à rajouter. Les licences pour les jeunes, c'est gratuit. Ah, d'accord. Donc quel âge, la tranche d'âge? Alors, ben, c'est ça. Moins de 18 ans, c'est jeune, donc junior. Et à partir de 18 ans, c'est senior. Donc c'est gratuit jusqu'à 18 ans? Voilà, c'est ça. C'est bien. C'est intéressant, ça va, quoi. Bon, personne. Non, c'est moi le plus jeune, on est 27. Ouais. C'est le plus jeune? Ouais. Ah. Voilà, je vois. Et on a la plus vieille. 25. Il n'y en a aucun ici qui ne paye pas plus de 16 ans. Donc nous, on paye, on en a pour 36 euros, les enfants. Ouais. Ah mais bon, on sera là ce week-end pour prendre des photos et puis mettre un reportage sur TSO Radio après. Voilà, maintenant que tu l'as dit, tu n'as plus le choix, tu seras là. Comme il y a une buvette... on peut tous t'accompagner, il y a une buvette. On prendra aussi des photos de la buvette, Sébastien, t'inquiète pas si c'est ça qui te... Merci Laurent d'avoir accepté notre invitation, merci de nous avoir supporté, merci d'être venu. Bah merci aussi. Hein. Donc à l'issue de cette émission qui est en direct sur TSO Radio aujourd'hui, vous aurez donc les vidéos de tout ce qui vient de se passer. Les replays et des photos aussi de ce qu'on vient de faire, avec quelques informations sur comment venir te voir ou venir contacter l'association pour peut-être la rejoindre. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Oh. Mais quel dommage. Ouais. Mais on revient demain. Mais quel dommage. oui, tout à fait, nous revenons demain. Et demain, il sera quel jour? Jeudi. Jeudi, donc jeudi, pas d'invité. Hein. Jeudi, il n'y a pas d'invité, on fait soft, on est entre nous. On fera des triplettes et des tête-à-tête. Merci Laurent en tout cas. Encore merci. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Au plaisir. Au plaisir aussi. Les amis, à demain. À demain. Monsieur les Blancs. Sont bons. TSO Radio. La radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.